La méditation de ce 4 juillet est intitulée « Prenons soin du temple de notre corps ». Je te célèbre car je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont des merveilles et mon âme le reconnaît bien. Psaume 139, 14. Le psalmiste écrit « Je suis une créature merveilleuse ». Dieu nous a donné des capacités mentales et physiques que nous devons conserver en meilleures conditions possibles. Les excès de l'appétit affaiblissent ces facultés et leur pouvoir d'influence, nous rendant ainsi imparfaits. Nous ne pouvons évaluer la valeur d'un être humain qu'en considérant le prix infini payé au calvaire. Nous avons été rachetés par Jésus-Christ pour être libérés du péché qui nous entrave tous depuis la chute d'Adam. Nous devons exploiter au maximum les capacités et talents que Dieu nous a confiés. Tous ceux qui affaiblissent leur force physique, mentale et morale en mangeant ou en s'habillant de façon inappropriée ou en violant les lois de la santé devront rendre compte à Dieu pour tout le bien qu'ils auraient pu faire s'ils avaient observé ces principes, au lieu de se montrer négligents, complaisants envers eux-mêmes et imprudents. Nous ne nous appartenons pas, nous sommes la propriété de Dieu. Notre rançon a coûté la vie du Fils de Dieu. Nous devons tous considérer ce sacrifice immense. Le roi des cieux, majestueux et glorieux, désire que les hommes et femmes se consacrent de tout leur cœur à son service. Paul nous adresse cette recommandation riche de sens. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, 1, 2. Personne ne peut honorer Dieu en menant un style de vie qui porte préjudice à son corps ou son esprit. Notre sacrifice doit être saint et parfait. Tel est le service raisonnable de chacun. Nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Christ Jésus. Dieu désire que nous l'honorions de tout notre être. Amen.